Good morning, Aleiden. L'étude sera aujourd'hui l'Elohim Nishmat Yaakov ben Aisha, Rachel Batsara, Rivka Batsara. Nous étudions Baba Metzia, Perek Aleph, Mishnah Chet, la dernière Mishnah du Perek, Bezrat Hashem. Matza, Igerot, Shum, Veigrot, Mazon, Shtare Chalitza Umeunin, Shtare Birurin, Vechol Maase Bet Din, Arei Ze Yachazir. Matzav ha-chafisa, ou bidlus kema, tachrich shel shtarot, ou aguda shel shtarot, arei ze yachazir. Vekama aguda shel shtarot, shlosha kshurim ze baze. Rabban Shimon ben Gamliel omer, echad alove mishlosha, yachazir lalove. Shlosha alovin me'echad, yachazir lamalve. Matzav shtar ben shtarotav, ve'eno yodea mativo, יהי מונח עד שיבוא אליהו, אם יש עמהן סימפונות, יעשה מה שבסימפונות. J'appréhende cette Mishnah. Bezrat Hashem, on va s'en sortir. Regardez, c'est pas compliqué, elle va être séparée en deux parties. Un rappel d'abord des deux Mishnayot précédentes. Nous avons entamé le sujet délicat de celui qui trouve un shtar, un contrat par terre, qui engage donc deux parties, doit-il le rendre ou ne le rend, ou non? C'est-à-dire, il y avait plusieurs cas de figure, mais de manière générale, l'axiome qu'on a déjà bien posé hier se résume en une règle. Si le fait de restituer le contrat à la personne à qui on estime que ça lui appartient risque de porter préjudice à une autre personne, on ne le rend pas, et s'il n'y a aucun préjudice, on lui rend. Et de là, donc, on avait évoqué plusieurs cas. Le cas où on avait pris, par exemple, le cas d'un emprunteur qui reconnaît ou non qu'il doit encore l'argent créancier, que le papier lui appartient. Selon le cas, il y avait des cas où les biens, ces biens risqués et pouvaient être hypothéqués. Et dans ce cas-là, on craignait la fameuse knounia, l'arnaque, le complot. D'accord ? Succinctement, on va s'intéresser à une loi, une halakha qu'on a évoquée hier, qui était simple, c'est le cas où la personne qui s'engage par ce contrat nie, ou bien même qu'il n'est pas là pour lui poser la question. Par exemple, on trouve un papier où il y a écrit « Ari Dahan doit 1000 shekels à Shimon ». Vous trouvez ce papier, est-ce que vous devez le rendre à Shimon? Peut-être que vous allez le lui rendre, et qu'en réalité, moi j'ai préparé ce papier. Et je comptais le lui donner au cas où il allait me prêter de l'argent, et finalement il ne m'a pas prêté l'argent, donc finalement vous allez lui rendre ce papier alors qu'en réalité je vais pas pour emprunter d'argent, et lui maintenant il va se permettre de prendre ce papier signé avec les deux témoins, il va venir me dire hey, tu m'as pas remboursé la dette, et là il va s'avérer que je lui ai donné de l'argent alors que j'ai jamais reçu. Donc ça, c'était la règle qu'on apprenait dans la mission précédente. Donc même si je suis pas là et vous trouvez le papier et vous voyez que je dois de l'argent à Shimon et que c'est signé par deux témoins, ne le rendez pas malgré tout à Shimon, parce qu'il est possible que finalement je lui dois rien, d'accord, c'est possible que j'ai pas emprunté de l'argent. La première partie de la Mishnah va être très simple. Elle va nous évoquer des cas de shtarot, de contrat, où on est certain que le contrat, après avoir été écrit et signé, a été transmis, et entre parenthèses, une fois qu'il a été transmis, il n'a plus aucune raison de revenir à l'envoyeur. Donc, pas comme dans le cas d'une dette où j'écris un contrat. Ah, si, je fais signer deux témoins. Je lui transmets, et lorsque je viens lui rembourser, il doit me rendre ce contrat. Là, on va évoquer des cas où, finalement, on gagne dans les deux sens. Lorsque le shtar a été écrit, c'est sûr qu'il a été transmis. Une fois qu'il est transmis, il n'a aucune raison de revenir vers moi. Donc, résultat de l'équation, lorsque vous trouverez ce type de shtar, de contrat, vous pourrez sans problème aller le rendre à la personne bénéficiaire. En l'occurrence, la Mishnah va nous enseigner Matza Igrot Shum. Alors, Igrot Shum, c'est simple. Lorsque Réhouven doit de l'argent à Shimon, si Réhouven traîne pour payer, il y a tout une procédure plutôt, c'est le mot. Il y a toute une procédure à faire pour que finalement Shimon va récupérer son argent chez Réhouven en faisant une saisie de ses biens. Il y a tout des tas de halakhot, comment on le rédiger, on lui laisse 90 jours, et puis après on lui laisse encore une fois 2 semaines. Il y a des halakhot bien fixes. En tout cas, lorsqu'on arrive au bout de
ça, au bout de ce procédé, alors le Beth Din va écrire « Ce bien qui appartient à Réhouven, nous te le donnons à toi, Shimon. » Tu es toi-même devenu propriétaire. C'est ce qu'on appelle une Igeret Shum. Shum, ça vient de la Shum d'Avar, c'est évaluer une chose. D'accord ? Donc Igeret Shum, c'est qu'on a évalué un terrain et qu'on a dit « Maintenant, Shimon, pour les 100 000 dollars que tu l'avais prêté et qui ne t'a pas remboursé, tu es toi-même devenu propriétaire. » On ne craint pas que le Beth Din a écrit et que finalement on ne l'a pas transmis, parce que comme on a dit, c'est un processus qui dure pendant plusieurs mois jusqu'à qu'à la fin le Beth Din attrape l'emprunteur et lui dit « Bon, ça y est, tu ne payes plus, on te prend tes biens maintenant, on te saisit tes biens. » Dès lors, on va plus se mettre à craindre que finalement, en dernière seconde, il a sorti de sa poche 100 000 dollars. Il n'y a pas de situation à craindre. Donc dès que le Beth Din a écrit, il a transmis tout de suite, il n'y a aucun doute. Et en plus, il n'y a plus de risque que finalement Réhouven a ramené l'argent et a récupéré son terrain. Parce qu'en réalité, on élargit un petit peu le tir. Il est vrai que Réhouven peut amener l'argent et racheter son terrain, il a un droit spécial. Mais ce sera un rachat, ce ne sera pas un remboursement d'une dette. La dette, c'est fini. Shimon se l'est fait rembourser en faisant cette saisie. C'est lui le propriétaire. Il y a une halakha maintenant particulière, rapportée dans la Gemara, qui nous dit que, malgré tout, Shimon doit être fair play. Si Réhouven veut venir racheter son terrain, finalement c'est le terrain qu'il a hérité de son arrière-grand-père, et voilà, donc qu'il lui revende. Mais en tout cas, donc, ça ne va plus être une annulation de dette. Donc finalement, cette Igeret Shum, c'est sûr qu'une fois qu'elle a été transmise à Shimon, Shimon ne l'a plus jamais rendue à Réhouven. Maximum, il a créé un nouveau contrat de vente. Ça, c'était pour le Igeret Shum. Idem, Igrot Mazon. Alors, ça, on peut discuter c'est quoi une Igeret Mazon. Mais succinctement, en tout cas, c'est d'abord quelque chose qui se fait au Beth Din. Et selon la règle, quand on fait quelque chose au Beth Din, le Beth Din ne perd pas de temps. Dès qu'il tranche, il transmet. Et une Igeret Mazon, maintenant, concrètement, on parle d'un homme qui se marie avec une femme qui avait déjà des enfants, d'un autre mari, qu'elle était divorcée ou qu'elle était veuve, et il s'engage par ce papier à nourrir ses enfants. D'accord ? Et donc c'est quelque chose qu'on écrit au Beth Din, et donc il n'y a plus lieu de craindre qu'une fois qu'il l'a écrit, que finalement, en dernière seconde, il a changé d'avis. Idem ensuite pour maintenant, Shtarei Khalitsa ou Meonin. Alors Shtarei Khalitsa, vous devez sûrement savoir c'est quoi la Khalitsa, le Iboum et la Khalitsa. Lorsqu'un homme, Iboum, c'est lorsqu'un homme décède et n'avait pas d'enfants, son frère doit se marier avec sa femme pour éventuellement avoir des enfants. Et si le frère, le frère du défunt ne veut pas se marier avec elle, la femme doit lui faire ce qu'on appelle la khalitsa, lui retirer la chaussure, lui cracher devant. Il y a tout un processus dans la Torah, comment faire pour que cette femme maintenant se libère de lui. D'accord ? Pour qu'elle puisse ensuite se marier avec quelqu'un d'autre. Et une fois qu'elle finit, on lui écrit un shtar khalitsa. D'accord ? C'est quoi shtar meonin maintenant ? Un shtar meonin, c'est une fille qui n'a plus de père, décédée. Alors, d'abord, petite introduction, excusez-moi, un père a un droit de marier sa fille avant 12 ans. C'est lui, d'une certaine manière, le propriétaire de sa fille, on ne va pas dire, mais du droit de la marier. D'accord ? Partant de ce principe, lorsque le père n'est plus là, il est parti, donc il est décédé, la mère ou les frères de la petite fille n'ont pas de droit de la marier. Concrètement, malgré tout, Chachamim ont fait une takana, une xéra, de permettre de la marier avec des conditions un petit peu spéciales. C'est-à-dire, Minatora, elle ne sera pas mariée, mais Midarabanan, elle sera mariée. Elle aura ce qu'on appellera des kiddushim, de kiddushim ktana, des kiddushim d'une petite. Et lorsque maintenant cette jeune fille, ouais, concrètement, pour vous illustrer un petit peu la nécessité de faire ça, à l'époque, il n'y avait pas de caisse d'allocation familiale, il n'y avait pas des allocations spéciales pour les familles monoparentales, ni quoi que ce soit. Donc supposer qu'une veuve, elle avait trois petites filles à nourrir, et c'était très difficile, délicat. Elle avait peut-être tout intérêt à trouver quelqu'un qui voulait bien se marier avec ses jeunes filles. Ça se faisait à l'époque. Et jusqu'à il y a encore 80 ans au Maroc, c'était encore fréquent de voir des jeunes filles qui se mariaient à 11 ans, 12 ans. Et donc, concrètement pour notre sujet, la mère donc, a décidé de marier cette fille. Lorsque cette fille atteint sa majorité, 12 ans, le Beth Din l'appelle et lui demande est-ce qu'elle veut rester mariée ou non avec cette personne. Et elle a le droit de refuser. Et donc dans ce cas-là, quand elle refusera, c'est ce qu'on appelle Me'unin, Shtarei Me'unin, les Ma'en. Les Ma'en, c'est refuser. D'accord ? C'est marqué dans la Torah, Me'en, Yevami, la Kachat Oti.
les mahènes refusaient. Donc, lorsqu'elle refuse de continuer le mariage, alors elle arrête son mariage et le bedin va lui transmettre maintenant un shtar qui s'appelle shtar monin qui va prouver qu'elle est libre de se remarier avec qui elle veut. Lorsqu'on trouve de nouveau un shtar monin dans la rue, on peut partir le rendre à la fille. On ne va pas supposer peut-être que finalement elle a voulu éventuellement faire monin, le bedin lui a écrit et en dernière seconde elle a dit non, je reste mariée. On ne craint pas de choses pareilles. Quand on se retrouve devant le bedin décide d'écrire, on écrit, on transmet et les choses. D'accord, entre en vigueur immédiatement, donc il n'y a pas lieu de craindre qu'il y ait eu un changement en route de programme. Ensuite, Ushtare Berurin, c'est quoi Ushtare Berurin? Dans un conflit, une dispute, un. Oh, les mots m'échappent, désolé. Lorsqu'il y a une dispute entre deux personnes sur un certain sujet et qu'ils veulent. Ils réussissent pas à se mettre d'accord dans quel bête d'inaler, alors il y a une alakha spéciale, chacun désigne un juge, et ensuite les deux juges ensemble se réunissent pour désigner un troisième juge, et comme ça on va se retrouver à faire le jugement avec trois juges, et on va écrire un shtare berurin pour que l'autre ne se mette pas à changer de programme, en dire ah non finalement je veux pas ce rave, je préfère tel rave, ou peu importe, on lui dit bon ça y est t'as décidé, tu veux rave Reuven Ben Yaakov, on écrit rave Reuven Ben Yaakov c'est ton juge, et moi je désigne Shimon Ben et Yitzhak. Et ensuite, les deux... D'accord, donc on écrit ensuite un shtarim berurin. Vechol maase bet din, et là la Mishnah vient inclure en tous les cas donc, qu'on a évoqués, et il y en a même d'autres, ce qu'on appelle des maase bet din. D'accord, on ne va pas trop rallonger, sinon ça va être trop lourd. En tout cas, tout ce que le bet din lui-même écrit et délivre, un certificat, un contrat, donc un shtar, dans tous ces cas-là, areize yachzir, lorsque vous trouvez un tel shtar dans la rue, vous pouvez le prendre et partir le rendre avec le cœur net à la personne concernée, parce qu'il n'y a pas de doute, la personne concernée qui a été la bénéficiaire en l'occurrence, il n'y a pas de doute que ce shtar, que ce contrat qui a été écrit, lui a été transmis ensuite, et donc il est tombé de ses mains uniquement. Voilà pour la première partie de la Mishnah, et c'était pas compliqué. Deuxième partie de la Mishnah, ça fait grincer des dents, ça se complique un peu. Parce qu'en plus de ça, il va nous falloir 2-3 introductions pour pouvoir ensuite aborder la Mishnah. Alors, on va le faire. C'est une Mishnah, là, cette Mishnah, c'est la charnière avec le Perek Bet. Dans tout le Perek Bet, le sujet essentiel du deuxième Perek qu'on étudiera Bezrat Hashem dès demain, ce sera les halachot de Metzia et de Simanim. Lorsqu'on trouve une trouvaille, une métia dans la rue, avec un alef, métia, pas comme baba métia avec un in, mais métia avec un alef, limtso, matsati. D'accord? Lorsqu'on trouve une métia dans la rue, alors la Torah nous dit de la rendre au propriétaire, tu n'as pas le droit de l'acquérir, mais à condition qu'il y ait dessus un siman. C'est quoi un siman? Un siman, ça peut être, là vous ne le voyez pas dans la caméra, mais il y a par exemple ce stylo-là. Il s'avère qu'il est cassé ici un petit peu, il a pris un coup en tombant une fois, il a même pris deux coups, je vois qu'il y a deux fissures. Donc, la personne qui le trouve pourra dire, et afficher, être machris, donc diffuser, afficher une petite annonce en disant « J'ai trouvé un stylo, viens le récupérer avec Simon. » Et moi je viens, je tape à la porte, je dis peut-être qu'éventuellement c'est un stylo pilote noir. Sur ça, c'est pas un Siman, parce qu'une marque, c'est pas un Siman. Et la couleur en plus du stylo, c'est pas un Siman, puisque c'est quelque chose de fréquent. Et donc, il va falloir que je précise un peu mieux. Je vais lui dire, ah, il y a ici, dans le derrière l'endroit où il y a le bouchon, là-bas, tu verras qu'il y a deux petites failles. Ah, donc c'est bien celui-là où il y a deux petites failles. Il pourra me le rendre. Il va me le rendre avec ce qu'on appelle un Siman. Ad drosh achicha oto. Il y a plein de sugyot. On aura l'occasion d'en parler longuement. Ça, c'est pour, d'abord, l'introduction à toutes les règles. Et maintenant... Ok. Alors maintenant, ça va se compliquer un petit peu. Tenez tête. Deux petites minutes, et on va expliquer ça bien clairement, Bezrat Hashem. Jusqu'à maintenant, on a appris que lorsqu'on trouve un shtar, un contrat, on ne le rend pas si on risque de porter préjudice à une tierce personne, ou même tout simplement à la personne engagée par le shtar. D'accord? Là, d'abord, on va le présenter tout simplement. On va apprendre, dans cette Mishnah maintenant, que dans plusieurs situations, lorsqu'on va trouver
un shtar, on va malgré tout le rendre avec le cœur net. Pour quelle raison? Parce qu'il y a dessus un siman. C'est-à-dire, lorsque je trouve un papier où il y a écrit Réhouven a emprunté l'argent de Shimon, 1000 shekels. Alors on a appris que je ne rends pas ce papier à Shimon, ni même à Réhouven, et même lorsque Réhouven reconnaît qu'il lui doit, parce qu'il y a lié dessus une acharayut nechassim, un shibud nechassim, il va pouvoir ensuite partir saisir les biens hypothéqués, on va porter préjudice à personne. La Mishnah va tout simplement nous apprendre. Ça, c'est vrai, mais lorsque le shtar, tu le trouves dans la rue, tout seul. Mais si tu trouves le shtar avec un siman, par exemple, il va pouvoir... On va illustrer ça avec un cas déjà concret. On va le trouver dans la sacoche, dans une sacoche, où il y avait dessus, sur la sacoche elle-même, un siman. Donc il y a un siman. Un siman, c'est un signe distinctif. Donc je viens et je dis, ah oui, il y a tel signe distinctif. Il est donc, comme on dit, cassé, ou bien tu as trouvé une sacoche. Ouais, c'est une sacoche qui est un petit peu déchirée là-bas sur le côté, elle a un petit peu décousu. Et donc là, il va pouvoir me rendre le shtar qui était dans la sacoche. D'accord? En réalité, je vous ai compliqué l'histoire pour rien, parce qu'on pourrait s'arrêter là et finalement expliquer comme ça toute la Mishnah, il n'y a aucun problème. Sauf que ce serait une petite tromperie de ma part, mais je ne vais pas vous le dire tout de suite. On va bien mettre expliquer la Mishnah comme ça pour le moment. Et une fois qu'on aura atteint le bout de la Mishnah, alors je prendrai encore, j'imagine que c'est une Mishnah qui risque de nous prendre longtemps. Donc, quand j'arriverai au bout ensuite, je vous expliquerai un petit peu le problème. L'idée, elle est tout simplement maintenant, pour le moment, la partie maintenant de cette Mishnah, de toute cette Mishnah, essentielle, va être de définir à partir de quand je considère, quel type de siman je considère. Donc, trouver un papier, c'est pas un siman. Avoir un papier où il y a écrit dessus Réhouven ou Shimon, c'est toujours pas un siman. Par contre, si l'emprunteur va venir et va me dire, ah, mais oui, tu as trouvé le shtar. Tu as trouvé le shtar où il y a marqué que Réhouven me doit de l'argent, et tu verras, là-bas sur le shtar, il est un petit peu déchiré sur le côté, n'est-ce pas? Et je vais dire, ah ouais, c'est vrai qu'il est déchiré, donc je vais pouvoir le lui rendre parce qu'il a un siman. Ce cas-là, il ne devrait pas être évoqué dans la Mishnah, mais il est vrai, de toute façon, il est écrit dans la Gemara. Il est marqué dans la Gemara, Nekev, Yesh, Bo, Betzad, Ot, Plonit. Il y a un petit trou à côté de tel endroit. Donc si finalement l'emprunteur connaît si bien le shtar, alors, il nous affirme maintenant que le shtar, il était bien dans sa main, il est bien tombé de ses mains, et donc je le lui rends, mikoach, grâce au siman qu'il a proposé. Et la Mishnah, maintenant, va nous donner plusieurs cas de figure de simanim. Quoi considérer comme un siman, quoi ne pas considérer comme un siman. Donc la Mishnah nous dit d'abord, on le fait dans les mots. Matza b'chafisa o bi d'luskema. Chafisa, en hébreu moderne, chafisa, c'est une boîte, un emballage. À l'époque, c'était Hamat Shel Or Ktana, le Barthénor avait nous expliqué, c'était une petite gourde. Ou encore Bidlouskema. Bidlouskema, c'est aussi une sorte de sacoche, le Barthénor insiste, je veux vexer personne, mais c'est les personnes âgées qui mettent toujours leurs affaires, comme ça le Barthénor va nous dire, ils mettent leurs affaires toujours dans une sacoche parce qu'ils ont peur de ne plus les retrouver. Je ne sais pas si c'est le début de la vieillesse, Alzheimer qui commence à faire ses premiers signes, mais en tout cas concrètement, donc les vieilles personnes, comme ça le Barthénor a dit, ont toujours une sacoche dans laquelle ils mettent tout dedans, systématiquement, comme ça au moins ils sont sûrs de retrouver leurs affaires. Mais non, en réalité c'est parce qu'ils ont tellement de soucis avec leurs enfants, leur jeunesse un petit peu pas bien sage, donc ils ont la tête trop occupée, ils savent plus où est-ce qu'ils mettent même leurs lunettes. Donc du coup, ils ont leur petite sacoche parce qu'ils mettent tout dedans, d'accord? Enfin ça c'était pour la de l'uskema. Donc, la Mishnah va nous enseigner, ou encore, Tachrir Shel Shtarot. Tachrir, c'est Milachon. On vient de finir Pessah là, Korer, quelque chose qui enveloppe. Donc Tachrir Shal Shtarot, c'est en fait des Shtarot qui étaient roulés un après l'autre. Ou encore Aguda Shal Shtarot, ou tout simplement des Shtarot qui sont liés entre eux. Il y avait par exemple trois Shtarot, chacun roulé tout sur lui-même, et qu'il a pris une petite ficelle et les a attachés, donc ça s'appelle maintenant une Aguda Shal Shtarot. D'accord? Aguda, ça peut se traduire par une germe ou un... Des shtarot, des contrats regroupés entre eux, et tous reliés avec une petite ficelle. Arezei Arzir, tout ça, ce sont des bons simanim. Il va pouvoir dire, ah, c'était ma sacoche qui était comme ça, ou bien c'était, plutôt, il y avait là-bas trois shtarot qui étaient un après l'autre, enroulés l'un dans l'autre. Donc, puisqu'il vient et qu'il affirme un siman, on pourra lui rendre sans problème le shtar. D'accord? La Mishnah nous précise maintenant, avec un agudash al shtarot, combien de shtar minimal il doit y avoir dans une agouda shel shtarot, dans un regroupement de shtarot,
Alors la Mishnah nous dit, trois Ashtarot, Shloshak Shurin Zebazé, il faut qu'il y ait au minimum trois contrats, trois papiers reliés, attachés entre eux. D'accord ? Cas particulier maintenant. Rabban Shimon, donc pour le moment c'était clair, puisque cette personne, donc celui qui trouve la trouvaille, écrit j'ai trouvé des Ashtarot. À vous de venir les voir. Quelqu'un me dit, ah, tu as trouvé trois Ashtarot. Ou bien tu as trouvé un shtar, mais qui était en réalité attaché avec telle ficelle. Ou bien tu as trouvé, il était dans telle boîte qui ressemblait à ça. Alors, puisqu'il a donné maintenant un siman sur le shtar, je vais pouvoir prendre ce shtar et le lui restituer. La difficulté de la Mishnah, je vous l'annonce tout de suite, ça va être levé. Pourquoi ne pas continuer à craindre qu'il y ait une knounia, qui a malgré tout une embrouille. Mais on laisse ça de côté, comme ce qu'on a dit, pour le moment. Ensuite, autre cas de figure encore de bon siman ou de bon signe par lequel je vais pouvoir le rendre. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Echad alove mishlosha, yachazir la love. Shlosha alovin me echad, yachazir la malve. Echad alove mishlosha, un qui emprunte de trois personnes. Une même personne qui a emprunté, donc Réhouven a emprunté l'argent de Shimon, 1000 shekels. Et Réhouven a emprunté l'argent de Lévi, 5000 shekels. Et Réhouven a emprunté l'argent de Yehuda, 10000 shekels. Et on trouve ces trois shtars qui sont reliés. Maintenant, je pose une question. De qui sont tombés ces shtarot? C'est possible qu'ils soient tombés de Réhouven, ou de Shimon, ou de Lévi? Comment ça se fait que Réhouven a dans ses mains le shtar qui appartient à Shimon? C'est-à-dire, lorsque Réhouven décide d'écrire un shtar à quelqu'un, un contrat parce qu'il lui doit de l'argent, alors, il écrit et lui transmet. Donc, il a donné un shtar à Réhouven, il a donné un shtar à Shimon, il a donné un shtar à Shimon, à Lévi, à Yehuda, il a donné trois shtarot. Comment vous voulez que ces trois shtarot écrits, transmis à trois personnes, se retrouvent entre eux? Il est certain que, de deux choses l'une, soit Réhouven a finalement, en dernière minute, décidé de ne plus emprunter de l'argent à la garde des shtarot, ou il a préparé son papier, il ne l'a pas encore transmis, ou encore il a remboursé ses dettes et qu'il a lui-même récupéré les shtarot et au lieu de les déchirer, il a voulu les garder en souvenir, car quand il a payé ses dettes, c'est un bon payeur. Peu importe, mais en tout cas, c'est sûr qu'ils sont tombés des mains de Réhouven. De ce fait, Rabban Shimon ben Gamliel nous dit « Rends-le yachzir la lové, rends-le au lové à l'emprunteur. » Ou encore « Shlosha lovin me'echad » trois personnes qui ont emprunté d'une même personne. Cette fois-ci, c'est Réhouven. La chance a de nouveau tourné. C'est Réhouven maintenant devenu le grand riche qui prête de l'argent à tout le monde. Donc Réhouven prête de l'argent à Shimon, Réhouven a prêté de l'argent à Lévi, Réhouven a prêté de l'argent à Yehuda, et on retrouve les trois shtarot réunis dans laquelle il y a marqué donc que chacun de donc Shimon et Yehuda doivent de l'argent à Réhouven. De qui ils sont tombés? C'est possible qu'ils soient tombés de Réhouven. C'est sûr que de Shimon ou de Lévi, c'est sûr qu'ils sont tombés de Réhouven. Donc ils étaient dans ses mains et ils sont tous tombés de ses mains. Donc la Mishnah nous enseigne Yachazir la Malvé. C'est un assez bon siman pour vous définir que maintenant c'est sûr qu'ils sont tombés des mains du Malvé. D'accord? Petite précision quand même. Oh, allez, on le dit parce que ça va être ramené dans Barthénois, ça nous allégera la tâche pour ensuite. Et il y a ici une précision importante à donner, c'est que comment se passait un shtar à l'époque? Comment on faisait pour écrire un shtar? On prenait un papier et on faisait signer ensuite deux personnes, plus ou moins connues, crédibles, en guise de témoins. Quel est l'intérêt de prendre des personnes connues? Tout simplement, c'est qu'une fois qu'il va me sortir le papier, qu'on puisse reconnaître les signatures. Ah, je reconnais, ça avait bien été signé par Shimon et par Lévi en dessous. Donc, Réhouven doit bien l'argent à Shimon parce que Shimon lui a sorti un shtar sur lequel il y a la signature de Lévi et de Yehuda, qui sont deux personnes qu'on connaît très bien, on sait reconnaître leur signature. Maintenant, il y avait une certaine possibilité, malgré tout, on a un petit problème. C'est qu'on ne vit pas toujours dans notre petit patelin où on connaît forcément ce Yehuda et ce Lévi. Alors, comment est-ce qu'on fait ensuite si on veut partir dans la grande ville là-bas et ils ne vont pas connaître qui était ce Lévi et Yehuda? Comment on fait? Alors, il y a une solution simple. C'est de partir au Beth Din. Une fois que Shimon a reçu le shtar de Réhouven, Shimon va au Beth Din et demande au Dayanim de certifier conforme tout de suite que les signatures de Lévi et Yehuda sont bien les signatures de Lévi et Yehuda. Si le Beth Din le reconnaît, il atteste. Sinon, on va mettre des témoins qui savent reconnaître les signatures de Lévi et Yehuda. Et ensuite, le Beth Din met son sceau et signe que ce shtar est certifié conforme, et dès lors, je ne sais plus, on était entre Réhouven et Shimon, peu importe, Shimon, donc l'emprunteur, va pouvoir ensuite partir dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel pays du monde, et il aura ici une valeur marchande, une preuve certifiée conforme que Réhouven lui doit bien de l'argent.
D'accord ? C'est comme ça que ça se passe. Il y a une précision importante maintenant, c'est que lorsqu'on a vu « Echad alove mishlosha yachzir l'alove », lorsque une personne emprunte de trois personnes différentes, que la Mishnah nous enseignait qu'on rend au lové, à l'emprunteur, tout ça, ce n'est qu'à condition que les shtarot, que les trois contrats, sont déjà certifiés conformes. Parce que sinon, on craint qu'en réalité, Reuven avait déjà emprunté et transmis un shtar à Shimon, et ensuite un autre à Lévi, et ensuite un autre à Yehuda. Et on avait posé la question, mais alors comment ils se sont retrouvés tous les trois dans un même regroupement ? Réponse toute simple. Il y a ici un ami commun, quelqu'un qui s'occupe, on lui donne une petite pièce, qui s'occupe de prendre les shtarot et de les amener au Bedin pour les faire certifier conformes. Peut-être qu'ils sont tombés de ses mains. Donc si les shtars sont déjà certifiés conformes, alors là on ne craint plus que... Donc si ces shtarot sont déjà certifiés conformes, on ne craint plus qu'ils sont tombés de ce chaliar, ni qu'ils soient tombés du Bedin. Donc maintenant on pourra certifier qu'en réalité, le Reuven a remboursé ses dettes et qu'on lui a rendu les shtarot et qu'ils sont tombés chez Reuven. C'est une précision, sera rapportée dans le Bartenor, on leur expliquera si c'était pas assez clair. Voilà pour la deuxième partie de la Mishnah. Avant d'aborder la question délicate, je préfère déjà finir la Mishnah, comme ça on a déjà fini quelque chose d'entier, et ceux qui veulent ensuite arrêter le cours pourront le faire aussi. Matza shtar ben shtarotav ve'eno yodea mativo yehemuna chachiyavo eliyahu. Cas spécial, ça arrive dans le ménage de Pessah, par exemple. Il était en train de faire un petit peu d'ordre dans ses papiers. Et puis là, il tombe sur un papier où il y a écrit « Voilà déjà 17 ans que Shimon lui doit 25 000 dollars. Super, il avait besoin d'argent. » Qu'est-ce qu'il fait avec ce papier? Il a un papier où il y a marqué que Shimon lui doit 25 000 dollars. Ça fait 17 ans. Pourquoi il est là, ce papier? Qu'est-ce qu'il fait? La Mishnah nous dit « Matza shtar ben shtarotav » Il a trouvé un contrat, un shtar, Ben Shtarotav, en plein milieu de l'enveloppe dans laquelle il a l'habitude de garder là-bas tous ses shtarot, tous ses contrats actifs. Ve'eno yodea mativo. Il n'a aucune idée de ce que signifie ce shtar. La Mishnah nous enseigne Yehe munach ad sheyavo eliyahu. Il ne pourra pas partir se faire rembourser sa dette. Oui, excusez-moi. C'est-à-dire, j'ai traduit les mots, mais j'ai faussé le cas. En réalité, c'est pas que Reuven lui doit l'argent. Il trouve un shtar en plein milieu. Excusez-moi, je rectifie. Ouais. Je trouve un shtar où il y a écrit là-bas que Reuven donne de l'argent à Shimon. Et moi, je suis une tierce personne. Et donc, en fait, je ne sais pas qui m'a donné ce shtar. Est-ce que c'était Reuven? Est-ce que c'était Shimon? Il y a deux scénarios possibles. C'est soit Shimon devait partir en vacances et il voulait quelqu'un qui lui surveille le shtar, ou soit c'était Reuven qui voulait en réalité préparer un shtar au cas où il se le fait rembourser, mais pour X ou Y raison, il ne voulait pas le garder dans ses mains. Donc en fait, il me l'a donné à moi le garder. Donc moi, maintenant, la tierce personne, je ne sais pas quoi faire de ce shtar. La Mishnah nous dit « Yehe munach ad sheyavo eliyahu » Ça, ce sera une règle qui apparaîtra souvent dans Elu Metziot, dans le deuxième pérec. Lorsqu'on ne sait pas quoi faire avec une metzia, avec une trouvaille, bah tu la gardes jusqu'à que Eliyahu Hanavi, Bekarov, Bimera Benou, il va venir et il va nous dire quoi faire. D'accord ? Et la Mishnah continue et nous dit « Im yesh imahen simponot, yase ma sheba simponot » S'il y a maintenant... Imiesh imaen simponot, attendez juste une petite seconde. Voilà, Imiesh imaen simponotav, shovav, alechad mishtarotav. D'accord. Si maintenant il trouve, en plus de ce shtar, donc la dette de la personne qui lui donne l'argent, cette fois-ci on reparle du cas où il y a quelqu'un qui lui donne réellement de l'argent, il trouve qu'il y a en réalité un simpon. Un simpon, c'est quelqu'un qui vient dire, c'est un papier qu'on écrit, qu'on glisse dans ses propres affaires, dans lequel on écrit que je me suis remboursé, que sa dette a été remboursée. C'est aussi un moyen de prendre ses notes chez soi. Donc il y a assez mâché ma simponote, il pourra se fonder sur ce qu'il y a dans les simponotes. Je ne suis plus assez clair, on verra comment on fera le partenariat, je vous apporterai plus de précision. Désolé, j'enregistre ce cours après qu'il y a eu un incendie terrible qui s'est déclaré dans ma cour. Je suis un petit peu... j'ai pas tellement de noir, enfin non... Bon, au prochain, tout s'est bien passé, sans les pompiers. Mais je suis un peu perturbé ce soir, désolé. Mais voilà. On a fini maintenant la Mishnah, en gros. Il y a un point délicat à expliquer dans cette Mishnah. C'était le cas où je dois rendre un
shtar parce qu'il y a un siman. On avait appris dans la Mishnah Bola, maintenant deux Mishnayot, qu'on a répété ça plusieurs fois, trois, donc c'est la troisième aujourd'hui, où on craint, à partir du moment où on risque de porter préjudice à une tierce personne, on ne peut pas rendre un shtar. Donc, on a un problème technique. Lorsqu'on trouve un shtar, un contrat, dans lequel il a écrit que Reuven donne de l'argent à Shimon, on a appris que même si Reuven reconnaît que le shtar appartient à Shimon, qu'il est tombé de ses mains, on ne pourra pas non plus le rendre à Shimon. Pour quelle raison? Parce qu'on craint, éventuellement, qu'ils soient en train de faire une entourloupe. Que depuis, Reuven a vendu un bien, et qu'il regrette de l'avoir vendu, et que maintenant, cette dette, elle a été remboursée, et pour X ou Y raison, Reuven avait ce papier dans ses mains, et qu'il lui est tombé de ses mains, et que finalement, ils vont utiliser ce papier pour aller ressortir des éventuels acheteurs de son terrain. D'accord? C'était la Mishnah qu'on avait pris. On a un problème technique. C'est comment, dans ce cas-là, on se permet de rendre un shtar à partir du moment où on a des simanim, avec un signe distinctif. La question est encore là. C'est-à-dire, il y a ici un emprunteur qui vient qui dit « Ah, le papier, il est tombé de mes mains parce qu'il y a un tel signe. » Mais peut-être qu'en réalité, on avait appris, selon la règle, un papier qu'on trouve par terre dans la rue, c'est un papier qui sent le roussi. C'était la règle qu'on avait établie. Nachon, vous vous rappelez, il y a maintenant deux Mishnayot en arrière. Dès lors, puisqu'on trouve un papier jeté par terre, c'est un petit peu bizarre cette histoire, c'est pas normal qu'on trouve un papier par terre, c'est pas dans la nature des choses. Donc on craignait qu'il y ait eu en fait une entourloupe, que ce papier en fait il a été remboursé, qu'ils se sont dit allez viens on va essayer de récupérer le terrain qui est parti, on va faire comme si qu'il était hypothéqué et tout ça. La fameuse règle. Donc comment on se permet de rendre un shtar avec des simanim. D'accord? C'est une question très pertinente qui est développée amplement dans le Rishonim. Succinctement, ça fait intervenir plein de lomdes. On ne peut pas le faire sur un pied. Mais quand même, je vous jette l'idée générale qui en découle. C'est rapporté ici dans le Tosot Rabbi Akiva Iger. Là, ça trouve sa source dans le Roche et aussi dans le Shitameku Betset, dans Baba Messia. En deux mots, c'est quand même une donnée importante à savoir en soi-même. Même si la question, vous ne comprenez pas la profondeur. Mais en tout cas, c'est une donnée quand même à comprendre importante. Lorsqu'un juge tranche une chose, alors il y a quelque chose de délicat qui se passe. Le juge, lui, il ne sait pas c'est quoi le Emet. Il ne sait pas c'est quoi la vérité, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais il reçoit plusieurs données, par des témoins, par des signes, par des reconnaissances, d'accord ? Il reçoit des données, et selon les données qu'il a, il tranche. Le juge peut trancher de deux manières. Soit parce que les données qu'il reçoit répondent à des règles bien précises de halakha transmises par la Torah, qui lui disent, dans telle situation et dans telle situation, j'agis de cette manière. Et il y a des fois où le juge fait plutôt intervenir ce qu'on appelle le shikul hadat. Il se laisse convaincre par les choses. Il tend plus vers telle situation. Il est lui-même influencé, un peu convaincu, persuadé que la vérité elle est plus chez l'un que chez l'autre. C'est deux modes par lesquels il pourrait éventuellement trancher. Il y a les règles strictes posées par la Torah et plutôt la manière dont il perçoit les choses, selon les données, comment elles lui perviennent, là où il ressent que qui dit le plus vrai. En général, un juge n'a pas le droit du tout de trancher selon ça. Et c'est bien là le point de différence. Ce qu'on avait appris, qu'on craint qu'il y ait une knounia, ce n'est uniquement lorsque le juge reçoit un shtar dans les mains, le juge ou la personne qui trouve, ça revient au même, c'est le même principe, la personne qui a trouvé le shtar, il reçoit maintenant un shtar et il n'a aucun signe, il n'a aucun témoin qui vient lui dire le shtar est tombé de telle personne ou de telle personne. Et il n'y a aucun signe qui lui permet de rattacher, aucune règle qui lui permet de dire que ce shtar appartient à telle personne. Donc il doit nécessairement, on avait appris dans la Mishnayot donc, qui doit recevoir, voir ensuite les deux parties qui viennent devant lui et qui lui disent « Non, ouais, c'est bon, tu peux lui rendre. » Mais dans ce cas-là, qui te permet de le rendre? Parce que tu as l'impression qu'on parlerait. Toi, tu n'as pas le droit de faire entrer ton chico la date pour commencer à supposer que apparemment la vérité, elle est comme ça et donc tu dois rendre le shtar à l'emprunteur. Parce que là, puisque tu fais intervenir ton chico la date, c'est ta perception des choses, peut-être que tu te trompes et tu n'as pas intérêt à le faire. Parce que dans ce cas-là, tu vas, toi, tendre la main à l'arnaque. Tu vas, toi, contribuer, prendre une part active dans cette arnaque. Il n'est pas question que ce soit toi qui le fasse. Par contre,
Lorsque tu as des règles bien définies selon la Torah, c'est la Torah elle-même qui t'a posé. Dans cette situation, tu rends, dans cette situation, tu ne rends pas. Alors, dans ce cas-là, lorsque tu fais ce qu'on t'a demandé de faire, tu n'as plus de soucis à avoir. Peut-être que finalement, il y a une arnaque. Ce n'est plus ton problème. Concrètement, si je trouve un shtar dans la rue, je ne sais pas quoi en faire parce qu'il n'y a pas de signe. Et donc, en théorie, on doit craindre la knounia, la fameuse knounia, l'embrouille. Ouais, selon les différents cas qu'on a évoqués. Supposons maintenant qu'il y a deux témoins qui viennent et qui nous disent « Non, c'est bon, tu peux le rendre à Shimon parce qu'on a vu qu'elle est tombée de ses mains. » Eh ben, je le rendrai à Shimon. Ah, mais peut-être que finalement, les deux témoins, eux aussi, sont dans le complot. Non, la Torah m'a dit de croire deux témoins, je crois deux témoins. C'est marqué dans le Rambam, ça, on aura sûrement l'occasion d'en reparler plus longuement. Lorsqu'on croit deux témoins, ça ne signifie pas qu'on est persuadé que c'est vrai. Ça signifie juste qu'on accomplit ce que la Torah nous a dit de faire. C'est très vaste comme sujet, même quand on croit un avis, un prophète qui nous fait des miracles, on ne croit pas le prophète parce qu'il a fait un miracle directement. On croit le prophète qui a fait un miracle parce que la Torah nous a dit de croire le prophète quand il fait un miracle. C'est-à-dire, si un prophète il se met à faire un miracle qui va contre la volonté de la Torah, on ne croira pas le prophète. Même s'il arrête le soleil en pleine journée pendant 48 heures, on prend ce prophète et on lui fait de la lapidation. On n'a pas de colère, on n'a pas froid aux yeux, on n'a pas peur des miracles. Et selon le même principe, on ne va pas trop rallonger sur le sujet. Mais lorsque le Rambam l'écrit explicitement, quoi, on ne craint pas deux témoins parce qu'on est sûr que deux témoins disent le Emet. C'est pas vrai. Ils peuvent très bien mentir, ils peuvent très bien comploter, ils peuvent être doués. Alors on en trouve à tous les coins de rue des complots qui impliquent même des 15 et 20 personnes en même temps qui disent la même chose. Seulement, la Torah nous a dit, deux personnes, tu crois. Alors, Hachem qui dirige le monde, on n'a pas de doute que si deux personnes viennent et affirment une chose, j'agis selon les règles qu'il m'a données, et qu'Hachem fasse ensuite la suite de son travail et qu'il vienne restituer l'argent si toutefois je me suis trompé. Selon ce principe, c'est vraiment sur ça que repose la réponse des Rishonim. Je ne crains plus la Knounia à partir du moment où je rends une trouvaille à partir de règles explicitées dans la Torah, en l'occurrence rendre avec un siman. On s'arrête là pour l'explication et on fait très rapidement le Barthénois. Alors, on reprend. On avait vu Matza Igrot Shum. On avait vu donc qu'il avait trouvé des évaluations de biens. Alors, chez Shamu Bet Din, Nirse Love la Malve Bechovo. Le Bet Din ont évalué et ensuite donné, en réalité ça va plus loin, ouais. Ils ont donné les biens de l'emprunteur au créancier Bechovo pour sa dette. Donc, ça fait partie de. Puisque ça sort du Bet Din, c'est sûr que ça a été transmis et bien acquis. Ensuite, Veigrot Mazon. De quoi on parle? Chez Kibel, Alav, Lazun et Batishto. On parle d'une personne qui a. Il s'est marié avec une femme divorcée, veuve, qui avait des enfants. Et donc, il a pris sur lui de nourrir les enfants, la fille de sa femme. Et de ce fait, le Bet Din a écrit une Igrot Shum, comme ça, si toutefois, ensuite, et une Igrot Mazon, que si toutefois, il ne veut plus payer à la fin, on lui dirait, regarde, tu as écrit un shtar. Donc, ça, à nouveau, c'est un papier. Qui ne revient pas, okay, que c'est sûr que ça a été écrit par le Bet Din, il a été transmis ensuite au Bané du Fort. Pirouche Acher, autre explication. Sheim Kero, Mikavka, Abaal, les Mazon, Aïcha, Vavanot, encore une autre possibilité, c'est que le Bet Din a donné un plein pouvoir à la femme, que si toutefois le mari ne veut pas payer, c'est les maisonnotes, de payer la. D'accord, de donner à manger à ses enfants, qu'elle pourra la femme. Grâce à ce papier, partir saisir directement un bien du mari. Ou miounin, c'était quoi miounin? On avait vu chez Kotvin, Bishtar, Befanenu, Miana, Plonit, Beploni, Baala. Devant nous, on écrit dans le shtar, dans le contrat, que devant nous, telle jeune fille a refusé de rester mariée avec cette personne. Ou Biktana, Shesiwa, Ima, Verchea, Shanes, Raget, on parle d'une petite fille qui a été mariée par sa mère et ses grands frères, Shanes, Raget, qui n'a pas besoin de recevoir un get. D'accord? Un get, donc de divorcer avec un get. Shtare birurin, on avait vu c'est quoi Shtare birurin? Le partenaire nous explique Zeborer lo echad, Zeborer lo echad, Sheyadunu lahem. Chacun désigne un juge qui va le juger. Il y a ensuite dans la Gemara, ensuite les deux ensemble désignent un troisième juge. Matza, maintenant on passe dans la deuxième partie de la Mishnah, donc l'histoire des simanim. Matza shtarot bachafisa. C'est quoi chafisa? Chemet shel or ktana, une gourde en cuir. Petite. Vedlus kema, kli or shazgenim matzniim ba klei tashmisham shelo istarchu lechapes achareim. C'est un ustensile en cuir de nouveau où les vieilles personnes cachent toujours leurs affaires afin de ne pas les chercher de partout ensuite. Vetachrir shel shtarot. Shlosha shtarot oyoter kochin zebazé. Donc on parle de trois ou plus shtarot qui sont
chacun roulé en même temps avec les autres. Ou encore une Agouda, Shelchtarot. Mushkavim Zealze. Ils sont chacun couchés l'un sur l'autre. Orko Shelze, Alorko Shelze, chacun dans le sens de la longueur. Ok. Areze Yarzir, la Mishnah nous enseignait, il devra les restituer à la personne qui donnera le siman. Des davar chez Yeshbo siman hu. Car c'est quelque chose où il y a un bon siman, un bon signe distinctif. Shakli siman, chez Yomru Abealim, Bekliploni Matsataotam. Définir, savoir désigner à quoi ressemblait l'ustensile dans lequel tu l'as trouvé, c'est en soi-même le siman. Bechen Tachrich Veaguda siman hu. Idem encore pour le Tachrich Veaguda. Pour les shtarot qui sont reliés les trois ensemble. Et Chadalové Mishlocha, alors ça c'était l'histoire de Rabban Shimon ben Gamliel, où on avait vu lorsqu'il avait une personne qui empruntait de trois personnes, ou trois, une personne qui prêtait à trois personnes. Et on avait précisé à l'oral la fameuse histoire du shtar qui est déjà mekuyam, qui est déjà certifié. Im Shlocha shtarot shellové Chadhen, si les trois contrats appartiennent à un même emprunteur, he shellava. Mishlocha bnei Adam, excusez-moi, Mishlocha shtarot shel love echad hen, shelava, ouais, d'accord, shelava Mishlocha bnei Adam qui a emprunté deux trois personnes différentes. Yarzirem amosel la love, celui qui l'a trouvé le rendra à l'emprunteur. De vadai meyado naflu, car il est certain qu'ils sont tombés de sa main. Parce qu'ils étaient tombés des mains des prêteurs, des trois créanciers. Comment les makom echad, qui aurait pu les réunir en même temps pour qu'ils tombent d'une même personne? On parle forcément de shtarot qui sont certifiés par le bet din. Aval im enamekuyamim, par contre, ils ne sont pas certifiés. Rachinan dilma, lekaiminhu, holichum, shlosha, amalvim, etzel sofer, adayanim, benaflu miyad la sofer. Parce qu'on va craindre qu'au cas où, sinon, s'ils ne sont pas mekuyamim, s'ils ne sont pas certifiés, on va craindre qu'en réalité, ils les ont transmis à une tierce personne pour les apporter au bet din, pour les certifier. Ben la chouche, shema, alors maintenant. Vartanur se lève une nouvelle question, tout ça c'est ici issu de la Gemara. Ven la chouche shema lachar shekimu otam naflu miyad asofer. On aurait pu croire que malgré tout dans ce cas-là, même lorsque les shtarot sont certifiés, pourquoi tu les as enlevés? Peut-être que finalement ils sont tombés du sofer, le scribe du Bet Din, lorsqu'il a certifié, ensuite il les a gardés le temps de partir d'une pièce à l'autre, ils sont tombés de ses mains. Qui a dit que c'est pas ça? Delo machinish kiume bida de safra. Parce qu'une personne, les créanciers, ne laissent pas traîner leur shtar, les kouyam, dans les mains du sofer du beddin. Veim shlosha lovim hem. Alors ensuite, le bâton d'explication explique la Mishnah. Veim shlosha lovim hem. Et ici, sont trois emprunteurs. Shelavuma d'Amechad qui ont prêté d'un seul créancier. Yarzirem, Amotse, la Malve, Shadavar, Yadoua, Shemimunaflo. Celui qui les trouve devra les restituer au créancier, parce que c'est certain qu'ils sont tombés de ses mains. Vemayu shloshtan, ktivat sofer echad. Cas particulier maintenant. Trois personnes qui empruntent d'un même créancier, mais qui sont tous les trois écrits de la même manière avec le même scribe. Alors là, on ne le rendra plus au créancier. Parce qu'il est possible qu'en réalité, nous sommes trois personnes qui prévoyons d'emprunter de l'argent de Réhouven, le grand Balagmar, mais qu'on est ensemble parti, ou bien un qui est parti délégué pour les trois, faire écrire les shtarot chez le sofer. Ouais, à l'époque, on utilisait un sofer pour écrire les shtarot. Et de ce fait, peut-être qu'ils sont tombés alors qu'on ne les avait pas encore transmis. Donc c'est quand les trois shtarot sont écrits du même sofer, cette fois-ci, Rechinan Shema Miyada Sofer Naflu, Velo Lavo Me'olam, on craindra qu'ils sont tombés Miyada Sofer Naflu, et qu'en fait ils ont jamais emprunté l'argent, on le fait quatre versions, c'est vrai qu'on ne le rendra pas. Et pour la dernière partie de la Mishnah, je propose de remettre ça pour demain, mais Zatachem, on ouvrira le cours en finissant ces trois dernières petites lignes. Et voilà. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, rendez-vous demain, Kol Tov, c'est là.